est responsable de tout l'espace loge buffet. Alors le site a largement évolué depuis l'année dernière. Ouais. Alors par rapport à ton travail, justement, qu'est-ce que ça a impliqué et comment vous avez réussi à vous adapter? J'étais assez stressée l'année dernière parce qu'on savait ça n'allait pas être le même site. Et je me suis dit, bah oui, mais ça va peut-être aussi permettre de pouvoir faire les choses plus logiquement, puisque à la base on avait un gymnase et c'était comme ça et pas autrement. Donc en fait, ça a été conçu de manière hyper logique. Donc en fait, je m'en sors pas trop mal, voire même mieux. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont plus logiques, les espaces sont plus concentrés, le bar est à côté du buffet. Catherine Chaud et à côté du buffet aussi. Donc ça a changé, que c'est mieux en fait. Voilà, ça fait qu'il y a plus de passages, donc il y a plus de taf, mais plus de passages, c'est plus de convivialité, donc c'est une bonne chose. Après, il a fallu racheter du mobilier, il a fallu tout recompter, racheter, créer, mais il faut juste être logique, hein. Je l'avais déjà expliqué l'année dernière. Préparation en amont du festival pour toi? Moi, je commence par boucler l'équipe, histoire d'être sûre. En fait, je commence en février-mars. Je boucle l'équipe, après je m'occupe de tout ce qui est matériel et course. Je dirais 2-3 mois avant, quelques heures par semaine, quoi. Voilà. Après, il faut forcément faire des réunions, donc il faut remonter au bureau. L'intensif commence le mardi sur le site, mais avant, de chez nous, 2-3 mois avant, quoi. Et alors ton équipe, justement, est-ce qu'elle est plus grande cette année? Est-ce qu'il y a eu des bénévoles qui sont pas revenus? Est-ce qu'il y en a des nouveaux? Comment ça s'est passé? Oui, parce que les bénévoles vieillissent, donc ils travaillent. Voilà, donc j'ai eu pas mal de changements cette année. En nombre, j'ai gardé la même chose, mais je me suis fait la réflexion qu'il fallait que j'agrandisse un peu l'année prochaine. Combien? Déco, par rapport à l'accueil, ils sont toujours aussi positifs. Ouais. D'autant plus cette année, t'arrives, je pense que vraiment tu prends une grosse baffe visuelle rien que dans l'entrée. Et puis mine de rien, c'est un nouveau site, mais on est quand même tous assez rodés sur le travail qu'on a à faire, donc on est agréablement surpris. Moi, sincèrement, j'étais assez stressée. Mais en fait, faut juste se dire que fondamentalement, le job, on le connaît et que comme c'est mieux fait, Des petites anecdotes particulières qui sont arrivées depuis le début du festival avec certains groupes, des petits problèmes ou au contraire On en a toujours des anecdotes. J'ai dû trouver 3 litres de sang pour Devil's Boot ce soir. Vous avez fait comment? Comment on a fait? On a appelé longtemps en avance, puisque sachez que le sang, ça se commande. Vous n'avez pas l'air étonné, on va mettre les seuls, je ne sais pas qui d'autre à part l'Elfest commande le sang. Faut le commander en avance c'est le boucher de Clisson. C'est le boucher de Clisson qui nous fournit du sang avec plaisir. Il est très content. Ne pas toucher. Comme ils ont plus facilement accès au bar, ils sont un peu plus sous. Donc on a des mecs où il faut qu'on soit 4 pour les porter tellement qu'ils sont raides. Et il y en a qui sont tellement raides qu'ils n'ont pas capté que leur groupe était déjà parti, notamment un des membres du groupe Sol Staffir. Voilà, donc il s'est réveillé à 3h du mat et ils étaient partis depuis 9h. Hors de goût, tu t'es couché à quelle heure hier?
4h. Et tu t'es levé ? 7h30. Ce qui fait pas beaucoup. Ce qui fait pas beaucoup, mais bon, on le sait, voilà, c'est 3 jours par an. Bon, ça, il y a un moment où ça tire, mais comme je vous le dis, tout se passe tellement bien que voilà, j'ai des groupes qui sont moins sympas que d'autres, forcément. Comme je l'ai expliqué aussi l'année dernière, on ne lit pas leur rider, donc comme ils ne lisent pas le nôtre, pourtant on leur explique bien qu'on fait toujours la même chose, qu'on leur met pas d'alcool, que voilà, bon, c'est toujours ces problèmes-là à régler, mais je crois qu'ils sont tellement tous contents de se voir les uns les autres aussi, que bah voilà, tout va bien, j'ai pas de gros problèmes sincèrement. Donc en tout cas, t'es épanouie, contente Ouais, bah il faut, j'ai de l'eau chaude, j'ai de l'électricité, j'ai de la bouffe, j'ai des bénévoles formidables, les groupes sont polis, voilà. C'était qui le groupe que tu accueillais ? Tiens, d'accord. Ok Bertrand, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le travail que tu fais au Hellfest, s'il te plaît ? Je suis l'accueil artiste, quoi. Donc, j'accueille les groupes quand ils arrivent, je leur montre sur l'horloge, les serviettes, merchandising, leur scène, le restaurant, la vie des proches, bien sûr. Respawn. Pas du temps pour avoir l'anglais parce que je parle bien en Irlande. Et d'autre part, je parle couramment de norvégien parce que j'habite ici dans là-bas. Donc, pareil, en fait, il y avait pas mal de groupes à la fois norvégien et suédois. Comment tu en es arrivé à travailler pour le Hellfest ? Est-ce que c'est la première année pour laquelle tu travailles ? Non, j'ai démarré en 2008 au bar et puis après je suis passé comme en accueil artiste. Un ami a travaillé et puis voilà, quoi, donc, j'ai pas pu venir une année et puis là je pense que de nouveau à l'accueil artiste. Cette année est nouveau. Est-ce que par rapport à ton travail, le travail que tu fais, ça change quelque chose ? Ouais, c'est clair qu'on a dû découvrir où était par exemple le CSA, donc on a dû découvrir le site. C'est clair, on a eu à peine le temps, j'ai dit quand même, de nous familiariser. Donc hier, vendredi, on a eu, c'est vrai, quelques petits à prendre quoi, sur le terrain avec certains des groupes. Bon, on apprend vite, hein. Autrement, moi, au niveau de l'organisation, ça se passe super. Moi, j'ai vraiment l'évolution. Là. C'est beaucoup plus carré. Et d'année en année, non, c'est super. Alors, comment se déroulent tes journées ? À quelle heure tu commences ? Est-ce que tu as des trous dans la journée ? Est-ce que tu profites un peu du festival ? Ouais. Là, cette année, on a un petit peu moins de groupes. On est plus grosse équipe parce que, bon, c'est vrai qu'avant, on avait quand même de nombreux groupes. Pas mal de boulot, donc c'est vrai qu'à la fin du week-end, on était mort, enfin moi je suis vraiment mort, si on veut faire bien sur le boulot. Mais donc là on a un petit peu moins de groupe, donc ça nous laisse quand même un peu de temps libre je dirais, pour aller profiter, voir tout le monde, voir quand même les groupes. Certains en tous les cas, bon, on ne peut pas tout voir non plus, hein, ça c'est clair. Bon, la journée, ça peut démarrer à partir de 9h en général, quoi, et puis ça peut se terminer tard, quoi, mais de toute façon, il y a des trucs, quoi, donc, vendredi, vu qu'il y a plus de monde à arriver en avance, donc c'était une journée un petit peu plus chargée. Aujourd'hui, plus tranquille, donc là, je viens m'occuper de Shining, bon, je vais les suivre sur la scène pour voir que tout se passe bien. Et puis, autrement, demain aussi, je vais pas m'occuper. Une partie de l'eau a déjà été faite, quoi, pour ça me reste le reste du temps, quoi, pour moi, je voyais le festival. Et je
suis l'assistant d'Hélène, qui est la responsable administrative du festival. Moi, ma mission, c'est de gérer toutes les accommodations, tous les hôtels de tous les groupes, donc de 90 groupes sur le festival. Et après, je suis le coordinateur général de tous les shuttles, donc tous les transports internes et de tous les transports en arrivée et en départ de tous les groupes. Ça fait combien de runners par jour, par exemple? Nous, on a une équipe, j'ai 4 responsables avec moi, 30 bénévoles derrière, on a 14 vannes. On a des matinées et des nuits hyper chargées. On commence à 8h, on finit à 5h30. Quoi. D'accord. Comment t'en es arrivé à travailler pour le Hellfest? Tout simplement par le relationnel. J'ai posé une candidature à la direction. Il semblerait que j'avais le profil adéquat via l'expérience qu'on avait eue de par les connaissances et de par le métier. Et pour le moment, ça se passe bien. Le festival n'est pas terminé, mais on va voir. En amont pour toi, pour ton rôle avant le festival? Moi, je suis arrivé à la production il y a 3 mois. Voilà, je pense que c'est temps nécessaire pour bien digérer tout le planning, bien digérer le running order, voir un peu le fonctionnement, parce que moi j'étais nouveau à la production. C'est ça, il faut monter 3 mois. Des petites anecdotes avec des groupes, est-ce qu'il y a eu des petits problèmes techniques, des retards? Il y en a eu deux partout, c'est ce qui fait un peu l'alchimie. Et la magie du festival, tu vois, ça veut dire que tu mets 3 mois à organiser un peu tous tes tableaux. Tu fais des tableaux excellents dans tous les sens, tu fais des coups de fil, tu les échanges de mails à Google. Mais en un seul email ou une réflexion, tout le planning est explosé, t'as un lance-missile dans ton organisation. Donc c'est un peu une petite anecdote, il y en a eu. J'aurais dû tout noter tellement il y en a eu, quoi. Mais qu'est-ce qu'on a eu? On a eu, tu vois, on va chercher Satyricon, on a un plaid qui crève. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a perdu le batteur de GBH, Sol Staphir, qui n'avait plus d'hôtel. On a Amon Amarth, la pyro n'a pas marché. Il y en a tellement. Je pourrais pas. Mais en fait, on arrive. L'intérêt, c'est que tu vois, toutes ces petites pièces, tous ces petits. L'engrenage marche bien et dès qu'il y a un petit caillou, nous on est là pour un peu rebondir aussi vite qu'on peut pour au mieux accueillir les artistes. D'ailleurs, c'est ça qu'ils apprécient parce qu'on a quand même des très bons retours. C'est ce qui fait aussi un peu la. Ce que je veux dire, c'est que si tout était facile, ça deviendrait chiant. Généralement, toi, tu as affaire au tour manager, aux managers des groupes, comment ça se passe? Ça dépend un peu du standing du groupe, comment il fonctionne. On a des groupes qui viennent directement en indépendant, donc tu travailles directement avec eux, ou soit directement avec le tour manager. Parfois l'agent accompagne le tour manager, ou le tour manager accompagne lui-même les groupes. Après, c'est des gens qu'on a eu pendant 3 mois, soit au téléphone, soit par internet. Se crée une relation, tu vois, une relation épistolaire virtuelle, et quand tu les rencontres, je sais pas comment dire, tu vois, le masque se lève et tu es content de rencontrer les gens. On a amené à rencontrer bien sûr les agents, les artistes, voilà, tout le monde voulait approcher de près. J'étais très content de revoir enfin Shannon Burry avec qui j'ai échangé plus d'une quarantaine de mails, tellement l'organisation était chaotique. Il arrivait au palier des artistes les plus désorganisés que j'ai pu voir, mais c'était un plaisir de le rencontrer. Pour les têtes d'affiche, est-ce qu'il y a des choses particulières? Par exemple, ce soir il y a les Guns, est-ce que la logistique est complètement exceptionnelle pour ce groupe par exemple? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que pour les têtes d'affiche, on travaille avec. On débloque une structure indépendante qui s'occupe vraiment des artistes. On essaie de leur donner le plus grand confort. Donc, nous, on a déjà beaucoup d'artistes avec notre équipe. Tu vois, on ne peut pas se permettre de dépenser plus de temps pour les têtes d'affiche, non seulement parce qu'elles demandent extrêmement, extrêmement de temps et d'attention. Mais que les Guns, tu vois, quand tu as Jesus Christ ou Liturgy qui arrivent, qui sont deux, qui arrivent en van, c'est pas pareil que les Guns qui vont arriver avec 40 tourbus. Enfin, j'exagère, tu vois, mais avec une info sheet, un stage plot qui est complètement énorme. Là, c'est un peu difficile. Moi, je suis pas la technique. J'encourage vraiment. On a une équipe super qui arrive à devoir répondre aux requêtes les plus. Quelles qu'elles soient, tu vois, la requête la plus infime des Guns N' Roses, c'est. Tu vois, s'il n'y a pas de serviette dans la loge d'Axel, c'est un drame, quoi. C'est un drame pour eux et c'est un drame pour nous, donc on fait tout pour être vraiment trop petit soin. C'était pas là l'année dernière, mais...
Donc là, c'est un nouveau site, l'équipe s'est encore amplifiée. Comment tu as l'impression que ça se passe? Est-ce que ça roule bien? Il n'y a pas de problème particulier à ce niveau-là? Au niveau de la nouveauté? Écoute, moi ça fait quoi? Ça fait combien de temps? Ça fait un jour et demi que le festival a commencé. J'ai pas vu un seul groupe, donc je peux pas dire vraiment comment ça se passe du côté festivalier. Je reste plutôt en production. Je pense qu'on est assez content. On a des très bons retours des artistes, tu vois, de la décoration. Vous avez vu tout ce qui a été mis en œuvre. Je pense que Ben il a vraiment mis la barre très très haut. Les artistes nous disent qu'il y a les festivals en Europe et il y a le Hellfest. Tu vois, c'est vraiment une autre ambiance. Ce festival français qui développe quelque chose un peu de nouveau. La fête de l'enfer vu autrement, tu vois. On a eu quelques petits soucis avec le parking, quelques petits soucis avec les campings, parce que voilà, c'était nouveau, parce qu'il y avait beaucoup plus de monde. C'est juste c'est l'année de rodage. En plus, on a eu la pluie qui a mis un peu le festival dans le jus pour le montage. Mais écoute, tout était fini à temps. Regarde, il fait beau. Tu vois, franchement, le site ça pète, ça n'a rien à voir avec l'année dernière. Et toi, tu prends du plaisir à faire ça? Moi, je trouve ça c'est stressant, mais c'est du bon stress, tu vois. Tu te sens vraiment vivant. Moi, je pense que personnellement, c'est une expérience les plus extraordinaires que je suis arrivé dans toute ma vie. Hein. Une espèce de, je sais pas, d'immersion complète. Tu vois pas le temps passer. Regarde, ma femme qui m'a rejoint, je trouve un petit peu de temps pour elle, mais tout le temps, tu vois plus les choses comme ailleurs. Et puis après, t'as aussi l'opportunité de voir ce qui se passe derrière. Moi, j'ai eu l'opportunité de jouer au Hellfest, d'être festivalier. Maintenant, je me retrouve assistant à la production. Tu vois un peu tous les côtés, tu vois un peu comment ça marche. Et je m'aperçois que je préfère être derrière, de voir aucun groupe, de voir vraiment cette magie cachée. J'invite tout le monde à faire ça. C'est vraiment une expérience extraordinaire. Merci Alex. Je t'en prie, hein, c'est toujours bizarre pour moi. Merci madame.